Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et surtout, on ne se fait pas des films. Les amis, très important, je suis ici pour te donner des déclics pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Mais garde en tête que toi seul, garde le libre arbitre de tes choix, de tes décisions. Très important. Aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle de la boussole amoureuse et l'oracle lumière. On va aller voir ici qu'est-ce que je ressens pour toi. Je ressens qu'ici, il y a un état de changement qui vient à toi, dès lors une sortie. Est-ce que tu as invité des personnes à même chez toi? Est-ce que toi-même tu vas être invité dans une soirée, que ça soit anniversaire, mariage, fête? Il y a quelque chose dès lors d'une soirée qui va changer entre toi et une personne. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes simplement tels que des amis ou des amis mais en secret sentiments amoureux, pourquoi pas? Possiblement aussi peut-être simple collègue qui va bifurquer dans le sentimental ou tout simplement on va avouer les choses hein, qu'on se cachait à soi-même. C'est vraiment un changement d'ordre et dans le sens positif qui va t'amener ici en joie et dès lors une sortie. Sortie, célébration. Allez. Qu'est-ce que je peux annoncer ici? Qu'est-ce que je peux annoncer ici? Alors bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, or.plumedoré@hotmail.com. On me le demande souvent. Et puis, je te l'annonce ici, il y a vraiment deux formules, une formule, une question précise et une formule pour une guidance complète. Donc, n'hésite pas à me demander des infos et cela ne t'engage à rien du tout. Hein. Merci aussi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici au niveau d'une éventuelle sortie, célébration, invitation, et ça amène vers un changement positif et qui va plus dans le sentimental. Et deux de deck, je suis. Ok. Elle m'en gratouille. Allez, on y va ici. Qu'est-ce que je peux annoncer? Oula. Oui, oui, oui. Bim, partez. Oh là là, alors pour me baisser, je vous explique pas. J'ai mal partout. Hein. Entre le sport, la musculation, les randos. J'ai les muscles en patate. Allez, qu'est-ce que je peux annoncer ici? Et pourtant, ça fait déjà deux. Ouais, ça fait bien, bien un mois que j'ai repris. Hein. Mais plus il m'entraîne et plus c'est intense. Hein, hein. Allez, hop, et dos de deck. Ici, on a quoi en dos de deck? Ouh, corne de l'abondance avec un retour ici. Hein. Donc, hop. Alors, tu vois, on a la corne de l'abondance avec un retour ici. Hein. Donc, retour de situation. Hein, quand je te disais tout à l'heure, un changement. Ce que je ressens ici simplement, c'est qu'il y a un changement dû par une sortie et quelque chose qui était amené vers une énergie positive. Donc, ce qui nous confirme avec la corne de l'abondance, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui est joyeux, bonheur, stabilité. Et puis, est-ce que c'est un retour d'une personne à laquelle on va te proposer un déplacement, une sortie, t'inviter à une célébration, au resto, boire un coup, en boîte de nuit, en soirée,
un anniversaire, une fête, un mariage, peu importe, à toi de voir. Mais il y a bel et bien un retour, et pour moi c'est un retour, mais qui t'amènera vers un changement. C'est-à-dire que c'est une personne possiblement que tu connais déjà, et ce changement c'est un état d'esprit, de conscience qui a complètement changé, ou à laquelle on a eu un déclic aussi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette personne. Mais c'est quand même quelque chose qui est d'ordre positif, je le rappelle. Hein. Allez, on va savoir qu'est-ce que... Oui, prochainement. Hein. Alors, ça arrive tranquillement, mais sûrement. Hein. Il y a vraiment ici une sortie qui va être proposée. Hein, et c'est quelque chose qui arrive prochainement. Donc, c'est sûr et certain pour cette année 2024. Et puis, c'est quelqu'un, selon moi, qui avait le cœur fermé ici. Hein. C'est quelqu'un qui avait le cœur fermé, c'est quelqu'un qui n'avait pas la conscience des choses, ou alors... pas possiblement ce fameux déclic. Hein, il est possible aussi que vous avez dos à dos en ce moment. Alors, une distanciation géographiquement parlant, ou tout simplement de très très peu de communication, voire pas du tout ici. Hein. Hein, il y a la possibilité qu'il y a quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête, ou du moins on se voilait la face. Hein. La communication va être prise, d'où par ce changement et ce retour de cette personne. J'en sens encore une fois de plus, vraiment plus de conscience, plus de vouloir crever l'abcès, plus d'apprendre à se connaître. Je ressens entre toi et cette personne, il y a un talent. Alors pas le même talent, mais il y a un talent ici à laquelle vous allez pouvoir échanger, communiquer, grandir aussi. Et oui, et ce changement va vous permettre de grandir, mais regardez, il y a une forme de guérison ici. Hein. Donc la communication reste de l'ordre du positif, on va parler cœur à cœur, âme à âme, on va bien s'entendre. Encore un tout petit peu de patience, on te demande encore un tout petit peu de patience. Et puis, possiblement, des projets ici à laquelle ta famille aurait, ou au niveau de cette personne, et on va se projeter ou présenter, ou bien que vous connaissez déjà finalement, et que dès lors que ça va se transformer d'ordre sentimental... je ressens ici, ah ouais, tiens, c'est elle, c'est lui, tu vois, vraiment un peu d'étonnement, mais finalement, il y aura une acceptation qui sera faite. On voit bien, possiblement, il y a eu des petites périodes de mensonges, de trahison, ou à laquelle on t'a peut-être snobé, on t'a peut-être ignoré, c'est un peu la même chose. Mais il y a une prise de hauteur qui a été bénéfique ici sur cette personne qui revient à toi dû à ce changement, je te le rappelle, d'ordre positif. Il y a une belle ouverture, hein, mais c'est la curiosité qui fait que... Hein, c'est comme si cette personne, il y a cette curiosité qui fait que j'ai pas été au bout du bout, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de comprendre. Et c'est possible que ça soit quelqu'un aussi qui est très peu confiant, hein. Et aidé par tout ce qui est angélique aussi, hein. Aidé par tout ce qui est angélique. Cette relation est et sera protégée. On me dit bien est et sera protégée. Et rien n'est anodin ici par ce retour, par cette facilité à mettre les choses en ordre, et plus ou moins avec du temps. Mais vraiment, hein, ici, pour ceux et celles à qui ça parlera, ce sera pour cette année 2024. Oh là là, faut que je me dépêche. Oui, tu vois, ici, on voit bien, hein, ça a cassé, ça a été brisé à un moment donné entre toi et cette personne, mais c'est la fin d'un cycle ici. Aie confiance, garde la foi. On voit bien qu'il y a une forme d'obsession, d'attirance ici. Les opportunités nouvelles viendront à grands pas. Vous allez retrouver une forme de jeunesse, ou tout simplement vous avez une jeunesse au fond de vous. Il y a une forme d'équilibre, de stabilité, de renaissance, de projet. Vous avez peut-être une petite différence d'âge, le luxe, l'évolution et le déplacement. Yes, j'y suis arrivée.